lleve a Lea a visitar a mon... Ay, cuñado. ¿Cómo era cuñado? Ça commence bien avec un mot que je connais pas. Attends, je vais regarder. Cognado. Bon frère. Ouais. Ahí está. Bon frère. Beau frère. Ok. Et Patricia, par exemple. Bonjour à tous. Je reste dans ma maison parce qu'il y a beaucoup de vent dehors. Ok, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Oui. Tu habites en Argentine, Patricia? Oui, en Patagonie. Ah, désolée pour ce qui est arrivé. C'est le deuil national en ce moment. Oui. Deuil national, je ne sais pas si tout le monde connaît ce mot, mais comme c'est avec l'actualité, c'est quand on prend un jour où toute la nation, un ou plusieurs jours, dans le cas de l'Argentine, où toute la nation est en deuil pour une personne. On appelle ça deuil national en français. Voilà. Qui est-ce qu'on a? Sandra, tu es déjà venue dans notre cours? Maria, Marie Carmen, deuxième Maria, Mildred, Patricia, Juan, Catherine, Fernando, Alessi. Ok, bah parfait. Parfait. Alors aujourd'hui, j'ai prévu quelque chose que moi j'adore, donc j'espère que vous adorerez aussi. C'est pour la compréhension orale. On en fait toujours avec moi de la compréhension orale parce que forcément je parle toujours français, mais là on va regarder des vidéos et il y aura un questionnaire à côté. Qu'on répondra ensemble à ce questionnaire. Et j'ai prévu des vidéos au niveau A2, donc votre niveau. Et comme je sais que normalement, le groupe a un assez bon niveau A2, j'ai prévu aussi des niveaux B1. Donc voilà, on va commencer. Je vais partager mon écran. Hop, partager. Parfait. Je les ai mis dans l'ordre normalement. Ouais, là c'est B1. Donc on commence par A2. Alors, commençons. Donc déjà, je vous présente un peu le site, si vous voulez, parce que c'est un site qui est trop bien. C'est pas moi qui ai fait ces quiz, mais sur ce site, on peut faire ses propres quiz. Un quiz, c'est un questionnaire. Donc, ses propres quiz, on peut le faire sur ce site. Il est vraiment bien si on veut faire, même pour s'entraîner nous-mêmes sur un thème. Il est super. Donc, premier thème. Forcément, j'habite à Lyon. J'ai trouvé ce quiz. Je me suis dit, il faut que je vous le mette. On va aussi beaucoup parler. Ça va être un cours qui va être très à l'oral, comme d'habitude. Mais là, on va pouvoir avoir beaucoup de conversations. Vous pourrez me poser des questions par rapport à la culture qu'on va voir, parce que c'est aussi des vidéos par rapport à la culture. Donc voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez une question, vous le mettez en commentaire ou vous me stoppez et je réponds. Donc ça va être la première vidéo sur la fête des Lumières. Je vous laisse d'abord, regardez les questions parce que sinon je pense que ça va être un peu difficile à suivre. Prenez le temps de lire, de regarder les questions. Dites-moi si je dois baisser une fois que vous avez lu le début. Et ensuite, on passera à la vidéo. Si vous avez un mot que vous ne connaissez pas ou quelque chose comme ça, dites-le moi. Pardon, qu'est-ce que D'accord. c'est Payne? La fête est d'origine
On ne sait pas. Païenne. 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 Païenne, c'est un mot qui désigne des gens qui, dans l'ancien temps, n'avaient pas de croyance ou croyaient en la sorcellerie ou des choses comme ça. D'accord, merci. De rien. C'est au féminin, païenne. Sinon, au masculin, on prend que ça, païen. Vous avez lu la première partie, je peux descendre ou pas? Dites-moi. Je peux descendre? Oui. Ok. Hop. Et la deuxième partie, ah, ça ne rentre pas tout. Voilà. Vous comprenez tout le sens pour l'instant? C'est moi, professeur. Est-ce que vous pouvez agrandir un peu l'image, s'il vous plaît? Oui, je vais essayer. Chut. Voilà. C'est bon, c'est gentil, merci. Je vais baisser un peu parce qu'il reste une question. Voilà. Oui. Oui, ouais. Qu'est-ce que bâtiment? Un bâtiment, un édificio. De Gaulle. Ah, je m'attendais à cette question. La capitale des Gaules, avant, pendant l'Empire romain, la France, et ça s'appelait pas la France, c'était la Gaule. La Gaule. Sauf qu'il y avait plusieurs parties dans la Gaule. Donc c'était des Gaules. Et là, il demande si c'est l'ancienne capitale des Gaules. Et on va voir ça dans la vidéo après. Si c'est vrai, pas vrai, on va voir. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et qu'est-ce que c'est, bougies? Bougie. Je n'ai pas le mot en espagnol. Est-ce que quelqu'un connaît le mot en espagnol? Oui, bella. Bella. Velas, linternas, velas. Ok. Merci. Voilà. C'est tout bon? Ok, oui. On passe à la vidéo. Vous me dites si vous entendez ou vous entendez pas. Je vais couper mon micro pour... Je vais essayer de couper en même temps. Il est où? Ah, il est là. Dites-moi si vous entendez ou pas. Vous entendez? Il n'y a pas d'audio. Attendez, je vais mettre plus fort. Et hop, et je vais enlever la pub. Ah, vous êtes devant. Voilà. C'est bon? Une atmosphère féerique a envahi les rues de Lyon. C'est parti pour 4 jours de fête des Lumières, un événement artistique et populaire qui devrait attirer cette année encore entre 2 et 3 millions de visiteurs. Ils pourront admirer plus de 70 installations mises en lumière par des artistes d'horizons divers. L'origine de la fête remonte au 19e siècle en 1852 quand la ville inaugura la statue de la Vierge Marie pour la remercier d'avoir sauvé ses habitants de la peste. Je n'entends pas, on peut monter. Ne écoutez pas, professeur. C'est très bas. Vous n'entendez pas? Oui. Non, c'est bizarre. Très bas, c'est très bas. Attends, c'est à fond. Je vais
Je vais mettre à fond et vous me dites, je vais mettre 10 secondes et vous me dites. Une atmosphère féerique a envahi les rues de Lyon. C'est parti pour 4 jours de fête des Lumières. C'est bon là ou pas? Un peu non. Bas. Encore. Oui. Ah. La dernière fois, ça marchait bien. Comment je peux faire? Ça va être embêtant si. Je vais essayer d'enlever mes écouteurs. Je ne sais pas si ça. Dites-moi encore. Attendez. Hop. Maximum. Une atmosphère féerique a envahi les rues de Lyon. Oui, c'est parti pour 4 jours de fête des Lumières. Un événement artistique et populaire qui devrait attirer cette année encore entre 2 et 3 millions de visiteurs. Ils pourront admirer plus de 70 installations mises en lumière par des artistes d'horizons divers. L'origine de la fête remonte au 19e siècle en 1852 quand la ville inaugura la statue de la Vierge Marie pour la remercier d'avoir sauvé ses habitants de la peste. Les Lyonnais célèbrent alors l'événement en disposant spontanément des bougies sur leurs fenêtres. La ville entière est illuminée. La tradition des lumignons a perduré, mais la municipalité l'a complétée dès la fin des années 80 par des animations. Bâtiments historiques, églises, places, rues, collines, parcs sont ainsi mises en lumière par des artistes. L'accent est mis sur la création et la poésie. La fête, qui se déroulait initialement sur un seul jour, le 8 décembre, s'étend aujourd'hui sur 4 soirées, conséquence de son succès. Les visiteurs du monde entier se pressent pour déambuler dans les rues de l'ancienne capitale des Gaules et y admirer ses lumières. Cette année, l'enchantement sera encore au rendez-vous. Un jardin d'hiver au parc de la Tête d'Or, une forêt lumineuse sur la place de la République ou un spectacle pictural sur la place des Terreaux. Laissez-vous émerveiller et bercer par les illuminations de Lyon. Alors, je vais remettre les écouteurs. Est-ce que c'est assez clair? On va essayer de répondre d'abord à quelques questions et si on a encore besoin, on revoit la vidéo. Un fois plus. Vous voulez regarder tout de suite la seconde fois? Oui. Ok. Ok, je remets. Regardez bien en même temps les questions pour ne pas perdre ce que vous devez bien écouter. Okay. Je vais baisser les questions au fur et à mesure. Ok, c'est reparti. Une atmosphère féerique a envahi les rues de Lyon. C'est parti pour 4 jours de fête des Lumières, un événement artistique et populaire qui devrait attirer cette année encore entre 2 et 3 millions de visiteurs. Ils pourront admirer plus de 70 installations mises en lumière par des artistes d'horizons divers. L'origine de la fête remonte au 19e siècle en 1852 quand la ville inaugura la statue de la Vierge Marie pour la remercier d'avoir sauvé ses habitants de la peste. Les Lyonnais célèbrent alors l'événement en disposant spontanément des bougies sur leurs fenêtres. La ville entière est illuminée. La tradition des lumignons a perduré, mais la municipalité l'a complétée dès la fin des années 80 par des animations. Bâtiments historiques, églises, places, rues, collines, parcs sont ainsi mis en lumière par des artistes. L'accent est mis sur la création et la poésie. La fête, qui se déroulait initialement sur un seul jour, le 8 décembre, s'étend aujourd'hui sur 4 soirées, conséquence de son succès. Les visiteurs du monde entier se pressent pour déambuler dans les rues de l'ancienne capitale des Gaules et y admirer ses lumières. Cette année, l'enchantement sera encore au rendez-vous. Un jardin d'hiver au parc de la Tête d'Or, une forêt lumineuse sur la place de la République
ou un spectacle pictural sur la place des terreaux, laissez-vous émerveiller et bercer par les illuminations de Lyon. Alors, c'est un peu plus clair? Oui. 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 Oui, merci. La première réponse, selon vous. La deuxième. La deuxième. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Oui, artistique et populaire. La fête des Lumières dure combien de jours? 4 jours. 4 jours, oui. Et c'est un événement artistique et populaire. Je pense que ça date un petit peu parce que maintenant c'est 5 jours. Il y a tellement de gens que cette année devrait venir entre 2 à 3 millions de spectateurs. Première. Ouais, 2 à 3 millions de spectateurs. Oui. Ça encore, oui, ça doit être un vieux reportage parce que c'est beaucoup plus maintenant. Les animations sont créées par des artistes du monde entier, français, lyonnais. Du monde entier. Exactement. Oui. La fête est d'origine, on ne sait pas, catholique ou païenne? Catholique. Pourquoi catholique? On ne sait pas. À cause de la Vierge. Il y avait une fête et on dit que c'est la Vierge Marie qui a sauvé les gens. Et on lui a... Exactement. C'est pour la peste. C'est... Oui. Du coup, la prochaine question, la peste. La peste. Oui. Alors, en réalité, ce n'est pas que la peste. En réalité, c'est beaucoup de maladies qui ont été épargnées, qui ont épargné Lyon. Lyon n'a pas été touché. Plus de guerres. Et à ce moment-là, après la peste, comme c'était très catholique à cette époque, ils se sont dit, Marie nous a aidés parce que c'était... Lyon était la ville de la Vierge Marie. On croyait beaucoup en elle. Donc, ils ont dit que c'était Marie qui les avait aidés. Ils ont fait une basilique et ils ont mis la statue de Marie en dessus. Et c'est le jour où la statue a été mise, le 8 décembre. Toutes les années, c'est le 8 décembre, cette fête. Jessica, j'allais dire que païenne est pagana, la traduction. Pour si quería, sino pagana, en español. Okay. D'accord. Ok, merci. Alors, les Lyonnais, pendant la fête des Lumières, mettent des bougies où? À la fenêtre. Les fenêtres. Fenêtre. Fenêtre. Maria, je suis désolée de. Maria, la goûter. Gutiérrez, excuse-moi, j'arrive pas à prononcer ton nom parce qu'on en a deux aujourd'hui. Ton micro continue à bugger, ça fait un gros son dans les oreilles. Je suis désolée. Regarde le micro. Bien sûr, vous pouvez aussi répondre dans les commentaires. Hein. Donc, sur les fenêtres, on a dit oui, c'est ça. Alors, on appelle ça des bougies, mais à Lyon, on a un vocabulaire spécifique pour ça, qu'on a entendu dans la vidéo. Est-ce que quelqu'un l'a entendu et l'a retenu ou pas? Non. Alors, le vocabulaire, c'est un lumignon. À Lyon, on appelle ça des lumignons. Je vais vous le marquer. Un lumignon. C'est spécifique de Lyon. C'est les petites bougies qu'on met aux fenêtres. Pendant la fête des Lumières, les animations sont projetées sur... La première. Le bâtiment, l'histoire.
historique, les églises, les places, la rue, les collines, les parcs. La première. De partout, en fait. C'est de partout dans Lyon. Vraiment. Dès qu'on peut mettre sur quelque chose, on va le mettre de partout, 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 partout. À part si vous avez regardé la basilique, ce jour-là, il y avait une boule de discothèque, mais on ne met pas réellement d'animation en lumière sur la basilique. On va juste mettre de la lumière dessus pour qu'elle ressorte. À part en 2015, pour l'histoire, il y a eu des attentats et toutes les victimes des attentats ont été projetées sur la basilique avec leur nom. C'est la seule fois. Alors, les visiteurs viennent des Gaules, de toute la France, du monde entier. Du monde entier. Est-ce que quelqu'un connaissait cette fête avant? Non. Dans un autre groupe, il y en avait qui connaissaient, c'est pour ça que ça. D'accord, donc du monde entier, oui. Lyon est également la capitale française de la gastronomie, la ville où sont nés les frères Lumière, l'ancienne capitale des Gaules. La première capitale de la France, c'était Lyon, pas Paris. Et c'est un peu un piège, parce que si on connaît bien Lyon, tout ça c'est vrai. C'est la capitale française de la gastronomie, et c'est la ville où sont nés les frères Lumière. Est-ce que quelqu'un connaît les frères Lumière ? Du cinéma, sont les créateurs de... Oui. Ils sont nés à Lyon et le premier film a été à Lyon. Le premier film du monde. Affichez vos résultats. Hop, 9 sur 9, excellent. Parfait. Alors, passons au second. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou des choses à dire sur la culture ? On peut la prévoir maintenant qu'on a déjà tous les vous pourrez voir les lumières. Je vais vous la mettre en grand comme ça ce sera plus simple. Oui, une atmosphère féerique a envahi les rues de Lyon. C'est parti pour 4 jours de fête des Lumières, un événement artistique et populaire qui devrait attirer cette année encore entre 2 et 3 millions de visiteurs. Ils pourront admirer plus de 70 installations mises en lumière par des artistes d'horizons divers. L'origine de la fête remonte au 19e siècle en 1852, quand la ville inaugura la statue de la Vierge Marie pour la remercier et sauver ses habitants de la peste. Les Lyonnais célèbrent alors l'événement en disposant spontanément des bougies sur leurs fenêtres. La ville entière est illuminée. La tradition des lumignons a perduré, mais la municipalité l'a complétée dès la fin des années 80 par des animations. Bâtiments historiques, églises, places, rues, collines, parcs sont ainsi mises en lumière par des artistes. L'accent est mis sur la création et la poésie. La fête, qui se déroulait initialement sur un seul jour, le 8 décembre, s'étend aujourd'hui sur 4 soirées, conséquence de son succès. Des visiteurs du monde entier se pressent pour déambuler dans les rues de l'ancienne capitale des Gaules et y admirer ses lumières. Cette année, l'enchantement sera encore au rendez-vous. Un jardin d'hiver au parc de la Tête d'Or, une forêt lumineuse sur la place de la République ou un spectacle pictural sur la place des Terreaux. Laissez-vous émerveiller et bercer par les illuminations de Lyon. Merci beaucoup. Je viens... parce que j'y étais, comme chaque année. Alors, oui, comme là, vous avez vu beaucoup, beaucoup de bâtiments très connus à Lyon, donc l'opéra, plein de choses comme ça.
Ensuite, nous avons les fêtes françaises. C'est assez intéressant, ça, je pense. Ça peut être sympa à savoir. Alors, est-ce que vous voulez que je lise chaque question et vous m'arrêtez dès que vous ne connaissez pas un mot? Oui? Ok. Combien de jours fériés y a-t-il en France? 5, 11 ou 6? Qu'est-ce qu'un jour férié? Un jour non travaillé, une fête religieuse, une fête nationale. Donc, si vous ne connaissez pas férié, je ne peux pas vous l'expliquer. Vous allez devoir comprendre avec la vidéo. Quelles sont les fêtes civiles en France? Le 1er janvier, le 1er mai, le 14 juillet, le 11 novembre, le 8 mai, le 1er janvier, le 1er mai, 14 juillet, 11 novembre, 9 mai, 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 1er novembre, 8 mai. Quelles sont les fêtes religieuses fériées en France? Noël, Pâques, Toussaint, l'Ascension, Pentecôte, l'Assomption. Noël, Pâques, la Toussaint, l'Ascension, la Pentecôte. Noël, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, l'Assomption. Ah, moi, il faut que je revise aussi ça quand je vais regarder la vidéo. Quel est le symbole de l'épiphanie? Les crêpes, la galette des rois, les bougies. Les crêpes sont traditionnelles pour l'épiphanie, le nouvel an, la chandeleur. Quand est-ce que les Français se déguisent au carnaval? Le mardi gras, à l'épiphanie, le jour de la chandeleur. Le 14 juillet, on organise un bal des révolutionnaires, jeunes filles, pompiers. Voilà. C'est tout bon? Oui. Aucun mot trop compliqué? Non. Qui est Epifania? Comment? Epifania, qui est? L'épiphanie. Los Reyes Magos. Voilà, c'est les fêtes chrétiennes. Fue una epifanía, cierto. Merci. Vidéo. Je vais agrandir. Je vous mets les questions juste à côté aussi. Bonjour. Aujourd'hui, on découvre les fêtes et traditions françaises. La France est un pays riche en fêtes et traditions. Il y a 11 jours non travaillés. Ce sont des jours fériés. 5 jours concernent les fêtes civiles, 1er janvier, le 1er mai, la fête du travail, le 14 juillet, la fête nationale française. Le 11 novembre et le 8 mai célèbrent les armistices, la fin de la guerre de 1918 et de 1945. 6 jours concernent des fêtes religieuses catholiques comme Noël, Pâques. En plus des jours fériés, on célèbre aussi d'autres fêtes. À chaque fête correspond une tradition. Le 6 janvier, c'est l'épiphanie. On mange la galette des rois. À la chandeleur, le 2 février, ce sont les crêpes. Et à Pâques, les œufs en chocolat. Au Mardi Gras, on se déguise au carnaval. Le 1er mai, on offre du muguet. Le 14 juillet, on tire des feux d'artifice et on danse au bal des pompiers. À Noël, on décore le sapin. On s'offre aussi des cadeaux et on mange beaucoup. Pour la nouvelle année, on s'embrasse sous le gui et on trinque avec du champagne. Donc en France, l'année est rythmée par les fêtes. Et dans votre pays? Voilà. Je repasse une seconde fois. Dites-moi, je pense que celui-là est plus lent, donc
une seconde fois? Oui. Oui. Okay. S'il vous plaît. Bonjour. Aujourd'hui, on découvre les fêtes et traditions françaises. La France est un pays riche en fêtes et traditions. Il y a 11 jours non travaillés. Ce sont des jours fériés. 5 jours concernent les fêtes civiles, 1er janvier, le 1er mai, la fête du travail, le 14 juillet, la fête nationale française. Le 11 novembre et le 8 mai célèbrent les armistices, la fin de la guerre de 1918 et de 1945. 6 jours concernent des fêtes religieuses catholiques comme Noël, Pâques. En plus des jours fériés, on célèbre aussi d'autres fêtes. À chaque fête correspond une tradition. Le 6 janvier, c'est l'Épiphanie. On mange la galette des rois. À la Chandeleur, le 2 février, ce sont les crêpes. Et à Pâques, les œufs en chocolat. Au Mardi Gras, on se déguise au carnaval. Le 1er mai, on offre du muguet. Le 14 juillet, on tire des feux d'artifice et on danse au bal des pompiers. À Noël, on décore le sapin. On s'offre aussi des cadeaux et on mange beaucoup. Pour la nouvelle année, on s'embrasse sous le gui et on trinque avec du champagne. Donc en France, l'année est rythmée par les fêtes. Et dans votre pays? Est-ce que c'est assez clair? Oui. Est-ce qu'il y a des mots que vous n'avez pas bien compris ou... Non, ça va dans l'ensemble? Ça va. Parfait. Alors, commençons. Combien de jours fériés il y a en France? 11 jours. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Parfait. Oui. 11, oui. 11 jours fériés. Qu'est-ce qu'un jour férié? Un jour non travaillé. Exactement. Un jour non travaillé. Quelles sont les fêtes civiles en France? Alors, je vais demander à un seul pour pas... Et on va dire si on est d'accord ou pas. Juan Diego, dis-moi. Uno. La première, 1er mai, 14 juillet, 11 novembre, 14 juillet. Qui a retenu pourquoi on fait ces 5 jours fériés? Le 1er janvier et les premiers jours de l'an. C'est précisément les jours de travail des travailleurs. Le 14 juillet, le jour de la France. Le 11 novembre et le 8 mai, oui, la fin, l'armistice de la guerre. La fin de la guerre. Oui. Ouais, de chaque guerre mondiale. Je sais, quelqu'un a un micro ouvert avec du bruit derrière. C'est la première. Bon. Alors, donc on a dit le premier. Le 14 juillet, pourquoi on a pris ce jour? C'est la Révolution française. Oui. Quelle année? 1789. Oui,
Exactement. Et ce jour-là, on a fait la prise de la Bastille. Parce que la Révolution française a duré plusieurs semaines, forcément. Mais ce jour-là, on a fait la prise de la Bastille. Donc, en réalité, on fête la prise de la Bastille. Donc, d'accord. On met celui-ci. Oui. Quelles sont les fêtes religieuses fériées en France ? Un, deux ou trois ? Trois. Un. Les Noël, les Pâques, les Toussaint, l'Ascension, la Pentecostès. Ah, la ou non ? Oui, la première. La première. Ouais. C'est la première. On a vu Noël, Pâques. Alors, on ne dit pas le Noël et on ne dit pas les Pâques. On dit Noël, Pâques. La Toussaint, on dit ça. L'Ascension, la Pentecôte, l'Assomption. La première. Quel est le symbole de l'épiphanie ? La galette des rois. Oui, parfait. Qui connaît l'histoire ? Je ne sais pas si dans votre pays c'est pareil ou pas. Non. Oui, il y a. Non, ce n'est pas une galette, c'est rosca, se chama. C'est ronde. D'accord. C'est un gâteau. C'est un gâteau. Ici aussi, un gâteau. Oui, ok. Nous, la galette des rois, oh là là, c'est tellement bon. C'est avec de la frangipane. C'est de la pâte d'amande dedans. Et la tradition, c'est qu'il y a une fève dedans. Est-ce que vous savez ce que c'est une fève ? Oui. La queue ? Oui, fève. C'est comme une petite figurine en porcelaine dedans. Nada. On appelle ça une fève. Et donc, on met la fève dedans. Et quand on prend les parts, c'est un peu bizarre, le plus jeune autour de la table doit se mettre sous la table et doit dire quelle part va à qui. Donc, première part, ça sera à toi. Première part, ça sera à toi. Pour ne pas qu'on voit et pas que les personnes choisissent. Et celui qui a la fève devient roi ou reine pendant une journée. Donc en théorie, il a le droit à tout et de tout faire et que les autres soient ses servants. Et ça se faisait aussi dans la royauté française. Le roi faisait ça avec ses employées femmes, le roi Henri IV faisait ça avec ses employées femmes et celle qui avait la fève, il s'arrangeait pour qu'une, précisément, ait la fève, celle qui a la fève prend la place de la reine pendant une journée et place même dans le lit. Voilà. Alors, l'épiphanie... J'ai cliqué sans faire exprès. On fait comme s'il n'y avait rien pour le 6. Les crêpes sont traditionnellement pour l'épiphanie, le nouvel an, la chandeleur. La chandeleur. Quand est-ce que les Français se déguisent au carnaval ? Les mardi gras. Exactement. Mardi gras parce qu'on mangeait beaucoup. Il fallait que ce soit très gras. Le 14 juillet, on organise le bal des pompiers. Ouais. Alors, c'est marqué on organise le bal des pompiers. En fait, c'est pas un bal qui est fait pour les pompiers, c'est un bal qui est fait par les pompiers. Les pompiers, chaque année, prévoient ce bal. C'est eux qui organisent ça. C'est eux qui organisent tout ce bal. Chaque pompier dans chaque ville, chaque village. Ça leur donne du travail en plus. Mais avec l'argent qu'ils récoltent, ça va pour les pompiers. Hop.
résultat 8 sur 8, parfait. Ensuite, vous avez des questions pour ça? Ou des fêtes qui sont ressemblantes aux vôtres ou... Ici, dans le jardin, moi, je crois que c'est au monde. Les fêtes religieuses sont toujours les mêmes. El primero de noviembre es de todos los santos. Sería la Toussaint. Primero o 2 de noviembre, la de todos los santos. Y la Epifanía, que sería la de los reyes, para ver la relación. En cambio, Ascensión y Asunción, acá en Argentina, no son feriados. Son fiestas religiosas, pero no son feriados. Son de fêtes religieuses, mais ne sont pas fériés à l'État. Pour les gens travaillent, c'est pas un jour férié. Je crois qu'on est un pays qui a le plus de fêtes religieuses au monde. On est un des pays, enfin pas religieuses, des fériés, pardon. Ouais, je crois. Oui. Mais d'accord, très bien, je savais pas. Alors, ensuite, on passe à la troisième et ensuite, on va passer sur du B1. Le B, il faut s'accrocher, il y en a un qui est rapide. Ici, on parle des réseaux sociaux, tout simplement. C'est assez important, je pense, de savoir le vocabulaire des réseaux sociaux, si vous voulez. Après, on pourra regarder, si on a un peu le temps, le vocabulaire des réseaux sociaux. Comment? Bon. Donc, je vais lire aussi. Combien de Français utilisent les réseaux sociaux chaque jour? 13 millions, 30 millions, 300 millions. Je vous aide, en France, on est 67 millions. Donc, il y en a un. Voilà. Je voulais dire quoi par rapport à ça? Je voulais dire un truc. Je sais plus quoi. C'est pas grave. Oui, regardez bien, gardez bien en tête les questions pour voir pendant la vidéo. Selon la vidéo, quels sont les principaux usages que les Français font des réseaux sociaux? Hop, conversation, réseaux sociaux, es redes sociales. Oui. Selon la vidéo, quels sont les principaux usages que les Français font des réseaux sociaux? Usage, c'est comment ils utilisent principalement les réseaux sociaux. Communiquer avec d'autres personnes et regarder des vidéos. Prendre des photos et des vidéos et écrire les nouvelles. Échanger des photos, des vidéos et lire les dernières publications. Est-ce que c'est assez clair là? Oui. Okay. Oui. Combien de minutes les adultes consacrent-ils à leur temps de connexion? 20 minutes par jour, 25 minutes par jour, 40 minutes par jour. Quel groupe de personnes consacre 40 minutes aux réseaux sociaux? Les personnes qui ont entre 20 et 40 ans, les personnes qui ont entre 16 et 18 ans, les personnes qui ont entre 19 et 24 ans. Quels sont les sites les plus visités? Facebook, Snapchat, YouTube, Twitter. Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok. Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter. Retenez bien la prononciation des réseaux sociaux, c'est pas du tout la même chose chez nous. Quel est le réseau social que préfèrent les jeunes entre 15 et 24 ans? Snapchat, Facebook, Instagram. Instagram. Quel réseau social préfèrent les femmes? Snapchat, Twitter, Instagram. Quel réseau social préfèrent les hommes? Snapchat, Twitter, Instagram. Comment considèrent les Français les réseaux sociaux? Un espace pour s'informer, un espace de divertissement, un espace pour lire des rumeurs.
Il y a une faute. C'est combien de Français, pas des Français, combien de Français font confiance aux réseaux sociaux? 12%, 22%, 32% des Français. Selon vous, je veux bien savoir, selon vous, quel réseau préfèrent les femmes? Instagram. Ouais, vous croyez Instagram? Et du coup, pour les hommes? Les hommes, le Twitter, je crois. On va voir si ça va juste, Patricia. On va voir. Retenez bien ce qu'elle a dit. Si elle a faux, on peut faire ouh. Alors, bon, je vais vous mettre la vidéo. Touk, 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 touk. Chaque jour, 30 millions de Français se rendent sur les réseaux sociaux pour échanger des photos, vidéos ou lire les dernières publications. Et cela leur prend de plus en plus de temps. Il y a 10 ans, ils y consacraient 4% de leur temps de connexion. Aujourd'hui, c'est 20%. En moyenne, 20 minutes par jour. Mais pour les 19-24 ans, c'est le double, 40 minutes par jour. Les sites les plus visités, Facebook, puis Snapchat et Instagram. Twitter arrive en quatrième position. Une hiérarchie différente pour les 15-24 ans. Les jeunes, eux, préfèrent Snapchat, puis Facebook et Instagram. Les hommes et les femmes n'ont toujours le même usage. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes sur Instagram. C'est l'inverse sur Twitter, alors que Facebook attire autant les hommes que les femmes. Pour les trois quarts des Français, les réseaux sociaux sont avant tout un espace de divertissement. L'information n'est pas forcément fiable. Seulement 32% des Français font confiance aux informations présentes sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, deuxième écoute ou non? Il y a des bruits. Oui. Pensez bien à tous fermer votre micro. Moi, je le laisse ouvert parce que sinon, vous n'entendez pas la vidéo. Pensez bien à tous, bien fermer votre micro. Attendez, je regarde. Juan Diego, pense à fermer ton micro aussi. Oui, là, c'est tout bon. Parfait. Parfait. Bon, on recommence. Et je vais remonter. Hop. Let's go. Chaque jour, 30 millions de Français se rendent sur les réseaux sociaux pour échanger des photos, vidéos ou lire les dernières publications. Et cela leur prend de plus en plus de temps. Il y a 10 ans, ils y consacraient 4% de leur temps de connexion. Aujourd'hui, c'est 20%. En moyenne, 20 minutes par jour. Mais pour les 19-24 ans, c'est le double, 40 minutes par jour. Les sites les plus visités, Facebook, puis Snapchat et Instagram, Twitter, arrivent en quatrième position. Une hiérarchie différente pour les 15-24 ans. Les jeunes, eux, préfèrent Snapchat, puis Facebook et Instagram. Les hommes et les femmes n'ont toujours le même usage. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes sur Instagram. C'est l'inverse sur Twitter, alors que Facebook attire autant les hommes que les femmes. Pour les trois quarts des Français, les réseaux sociaux sont avant tout un espace de divertissement sur lequel l'information n'est pas forcément fiable. Seulement 32% des Français font confiance aux informations présentes sur les réseaux sociaux. Tout bon? Vous pouvez rallumer vos micros. Combien de Français utilisent les réseaux sociaux chaque jour? 30 millions. 30 millions. Ça fait quand même presque la moitié des Français. Presque la moitié, ouais. L'autre moitié, je pense, j'en suis sûre même, que c'est parce qu'ils sont plus âgés. Et il y a beaucoup de personnes âgées en France qui n'ont pas du tout Internet encore. Selon la vidéo, quels sont les principaux usages que les Français font des réseaux sociaux? Oui, merci Thérèse. Donc, communiquer avec d'autres personnes et regarder des vidéos,
prendre des photos et des vidéos et écrire des nouvelles, échanger des photos, des vidéos et lire les dernières publications. Un, deux ou trois? Trois. Trois. Tout le monde est d'accord? Trois, oui. Super, oui. Hop. Combien de minutes les adultes consacrent-ils à leur temps de connexion? 20 minutes. Oui, pour les adultes, 20 minutes. Alors là encore, si on regarde bien, c'est des chiffres, il faut faire attention parce que ce sont des moyennes. Donc pour tous les adultes, comme j'ai dit, n'ont pas forcément les réseaux sociaux. Et en France, on est une population vieillissante. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de personnes vieilles, entre guillemets, en France, que de jeunes. Donc, c'est normal qu'il y ait ce 20 minutes, alors qu'en réalité, si on regarde les gens qui ont les réseaux sociaux, ils passent plus de temps que ça. Oui, quel groupe? Oui. Aussi, Jessica, peut-être cette vidéo, c'est d'avant, des années d'avant. Non, non, elle est assez récente. Ah oui. Elle est assez récente, oui. Beaucoup de gens sont sur les réseaux sociaux, peut-être pas en France, parce qu'ici, tout le monde... Oui, mais en fait, c'est ça, c'est que en France, une grande partie n'ont pas du tout de réseaux sociaux. J'ai une tante et mon grand-père, il n'y a encore pas longtemps, ils n'avaient pas Internet. Et ils ne savaient pas du tout l'utiliser. C'est pour ça, en fait. Après, dans 20 ans, les chiffres ne seront plus du tout les mêmes. Parce que les plus âgés ne seront plus là, et les plus jeunes, plus la nouvelle génération, auront grandi avec les réseaux sociaux, comme moi, par exemple. Quel groupe de personnes consacre 40 minutes aux réseaux sociaux par jour? 25 à 40 ans. 25 à 40 ans, vous êtes d'accord? 19 à 24. 19. Donc, ouais. 19 à 24 ans. 19 à 24 ans. Oui, on pourrait croire, hein, je pense même... Je pense même qu'ils doivent passer les 25-40 ans, presque 40 minutes, je pense, par jour. Mais oui, 19-24 ans, 40 minutes. Les plus jeunes, c'est encore plus. Quels sont les sites les plus visités dans l'ordre? Le premier, le deuxième ou le troisième? Troisième. Exactement. Alors ça m'a un peu étonnée parce que dans ma génération, en fait c'est logique parce que bon, il n'y a pas que ma génération qui utilise. Donc oui, les autres générations, je comprends. Mais au départ, je pensais que ça aurait été ça. Ou alors Facebook, Instagram, YouTube, Twitter ou Snapchat à la fin. Parce que YouTube, dans ma génération, c'est ultra important. On a une très grosse culture sur YouTube. Quel est le réseau social que préfèrent les jeunes entre 15 et 24 ans? Snapchat. Facebook. Oui, Snapchat, oui, exactement. Snapchat est plus apprécié entre 15 et 24 ans. Bon, je ne suis pas dans... J'ai 20 ans, mais pas moi. Quel réseau social préfèrent les femmes? Patricia. Instagram. Et les hommes? Pardon. Et les hommes, du coup? Twitter. Ouais, Twitter. Oui, c'est vrai. Comment considèrent les Français les réseaux sociaux pour s'informer, se divertir ou lire des rumeurs? Divertissement. Oui, le deuxième, le divertissement.
Non, grosse majorité, oui. Combien de Français font confiance aux réseaux sociaux? 12, 22, 32. 32%. 32%, oui. Hop, afficher les résultats. 10 sur 10, parfait. Est-ce que c'était tout bon? Est-ce qu'il y a eu un peu de problème à comprendre certains mots ou non? Pas. C'est allé? Oui. Ah, parfait, alors, super. On va pouvoir passer à un niveau en dessus. Comme je savais que ça allait être un peu plus simple pour vous, ces niveaux-là. Hop, j'essaie de cliquer sur... Hop, voilà. Alors... Ce monsieur s'appelle Cyprien. Il faut le connaître. Parce que malgré tout, même si c'est pour les jeunes, c'est une personne très connue. Alors, lui, il était le premier YouTuber de France pendant longtemps. Maintenant, il est le deuxième depuis moins d'un an. Mais il a... 14 millions d'abonnés. On est 67 millions en France. Donc, il est très connu. Donc, cette vidéo, elle est un peu vieille. Maintenant, les pubs VS La Vie, il en a fait 4. Le dernier, enfin, les 3 autres sont impressionnants parce qu'il a eu beaucoup de moyens pour les faire. Et il faut savoir aussi que dans cette vidéo, on va voir donc les pubs face à la vie réelle et les pubs qu'ils font, qu'ils reproduisent, elles existent réellement. Ce sont des pubs qu'on a réellement en France. C'est eux qui les ont reproduits avec même pas leurs propres mots, c'est exactement pareil en fait. Juste avec leur jeu d'acteur, mais c'est exactement les mêmes pubs qu'on a en France. Alors... Donc, heureusement que j'ai dit son prénom, parce que la première... Donc, Cyprien. Selon Cyprien, les gens qui font les annonces, donc les annonces, les pubs, c'est à peu près la même chose, sont drogués ou ils viennent d'un monde parallèle. Ils viennent d'un monde parallèle. Donc, soit drogués, soit ils viennent d'un monde parallèle, soit les deux. On va voir. Est-ce que ça va en niveau vocabulaire, là. Ouais. Parfait, parfait, parfait. Que préfère la fille? Alors, la fille qu'on va voir, c'est aussi la première youtubeuse de France, en femme. Sa première youtubeuse femme de France. Elle s'appelle Natou. Enfin, son surnom. Que préfère la fille? Le gâteau, les Kinder, les biscuits. Je vous préviens, cette vidéo est un peu plus compliquée. Je vais la passer plusieurs fois, je pense, parce qu'il parle très rapidement. On est sur YouTube. Et en plus, on peut se mélanger. Même moi, à un moment, je me suis dit, ah, c'est lequel? Mais en fait, si on regarde bien et si on analyse bien, on a les bonnes réponses. Quel est le problème de la fille au t-shirt bleu foncé? Mycose vaginale, douleur à l'estomac, douleur au dos. Tout le monde sait ce que c'est, mycose. Je pense que c'est à peu près la même chose en espagnol. Oui, oui. Ouais, ok, parfait. Lorsque vous mangez des céréales, biscuits, gâteaux, les fenêtres sont cassées. Attention, il y a 2 moments où les fenêtres sont cassées. On garde le moment qui correspond. Où est le meilleur cheeseburger? Dans la vie réelle, on ne le dit pas, dans les pubs. Ah, j'ai loupé une question. Dans les pubs, il est très facile de sortir les Kinder du paquet, les biscuits du paquet, les chewing-gums du paquet. Est-ce que c'est bon pour le vocabulaire? Ouais, tout bon? Alors, on va... Je pense que la première écoute, ne faites pas attention au... Je vais mettre en grand écran, ne faites pas attention aux questions et ensuite je vais remettre 2 fois.
parfait. Voilà. Alors, vous en avez pensé quoi à la première écoute? C'est très vite. Il parle très vite. Oui. Les images sont coupées. Oui. C'est normal, c'est pour aller plus rapidement et faire une blague plus rapidement. C'est un humour qu'on aime bien. Je ne sais pas si vous, ça vous fait rigoler, mais nous, on aime bien. Après, comme c'est assez vieux, c'était vraiment à la mode à l'époque de parler vite, de faire beaucoup de coupures. Mais c'est avec des mots que à deux, on maîtrise et à B1, on arrive assez bien. Deuxième écoute avec les questions, ce sera un peu plus simple peut-être. Ouais, parfait. Aidez-vous aussi aidez-vous aussi des sous-titres. Alors. Un peu seulement. Les quatre premières, mais à la fin. Est-ce que pour la fin, vous voulez que je repasse, mais en vitesse, plus petite vitesse? Oui, c'est mieux. C'est mieux. Attendez, je vais juste retrouver quelle partie ça commence à aller vite. Ouais, par là. Hop. Voilà, ouais. C'est à la vitesse 0. Un peu plus clair? Ouais. Oui. Oui. Commençons. Selon Cyprien, les gens qui font les annonces sont 1, 2 ou 3? 2. Tout le monde est d'accord? Ceux qui ne parlent pas trop aussi, essayez de répondre. Alors oui, sont drogués ou ils viennent d'un monde parallèle. Que préfère la fille? Gâteau, Kinder, biscuit? Kinder. Ouais, Kinder. C'est une pub qui existe réellement, hein, je répète, mais ce sont des vraies pubs. Donc même quand ils les refont, ce sont des vraies pubs. Oui, la fille arrive, je veux ton Kinder. Bon, bref. quel est le problème de la fille au t-shirt bleu foncé? Les mycoses vaginales, douleur à l'estomac, douleur au ventre. Mycoses vaginales. Oui, exact. Mycoses vaginales. Lorsque vous mangez des les fenêtres sont cassées. Céréales. Hop. Dans les pubs, il est très facile de sortir les du paquet. Chewing gum. Attention à la musique. Où est le meilleur cheeseburger? Dans la vie réelle, on ne le dit pas. Dans les pubs, on ne le dit pas. Alors, oui, alors là, en réalité, il y a un petit piège, c'est que oui, on ne le dit pas, mais on le montre. Oui, c'est dans la pub, on le voit parfait, mais à la vie, c'est horrible. Oui, exactement, voilà. C'est tout bon pour tout le monde? Oui. Ouais. Cherchez les résultats, 6 sur 6, parfait. Voilà, un peu compliqué, non, ce genre de vidéo? Oui, un peu compliqué. Parce que c'est rapide ou parce qu'il y a du vocabulaire qu'on ne connaît pas trop? Parce que c'est parce rapide. Et parce l'image se coupe. Mmh. Oui. Alors, il y a aussi des... Je sais qu'il y a du vocabulaire, par exemple. Je vais essayer de trouver. Ils sont dans un monde pas par gel, éloigné. Non, je crois pas. Les dernières. Ah oui. Par exemple, on a ces deux mots-là. Dégage. Est-ce que quelqu'un connaît?
Non. Dégage. Non, je ne sais pas. Dégage. Dégage, c'est une façon un peu... c'est pas réellement une insulte, mais c'est entre familier et insulte. C'est pour dire va-t'en, pars. On va dire dégage. Ou le j'appelle les flics. Qu'est-ce que c'est les flics? Les policiers. Oui, exact. Les policiers. C'est un nom familier qu'on donne aux policiers, les flics. Et en verlan, on va voir juste après. Alors, c'est les keufs. Oui. Comment c'est en verlan? Les keufs. Flic, ça devient keuf. Y a quoi d'autre? S'embrouille. Il s'embrouille. Bah, Carmen, ton micro est coupé, si tu parles. Como enredarse. Se enrean. Alors, je ne connais pas le mot en espagnol, mais c'est quand, oui, c'est quand on se bagarre, quand on se chamaille. Il y a plein de synonymes. Quand on s'engueule, c'est le un peu plus familier, un peu plus vulgaire. S'embrouille, c'est familier. Pas vulgaire, pas du tout, mais c'est familier. Et c'est un peu plus jeune. Quoi d'autre? Pensez-vous qu'en vérifiant, regardez, bactéries, Colgate Total, on s'en fiche. Ah là. Est-ce que je vais me faire chier? Il y a une faute, c'est est-ce que je vais te faire chier dans la rue? Qui comprend chier. Cette phrase? Te faire chier, c'est une expression, mais c'est quoi vraiment? Tu me fais chier, tu m'embêtes. Exactement ça. Exactement. Tu me fais chier, on va dire. Soit c'est ennuyant, soit c'est embêtant. Mais c'est plus souvent embêtant. Attention, c'est familier, un peu vulgaire. Donc, dans la vie de tous les jours, on va bien sûr l'utiliser, souvent, surtout entre amis. Mais ça reste vulgaire. Je ne vais pas le dire à mes parents, surtout pas. Mais ils connaissent, bien sûr. Ou on va l'entendre et ça va être normal à l'oreille. C'est juste un peu vulgaire, sans plus. Donc, est-ce que je vais te faire chier dans la rue? Donc, est-ce que je viens t'embêter dans la rue, moi? Oui, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expressions en rapport avec les synonymes du mot. Réellement du mot merde, pas l'insulte, juste le mot. On a beaucoup de synonymes comme ça, vraiment beaucoup. Si je retrouve, je vous montrerai une vidéo qui explique très bien ça et qui dit tous les trucs des expressions en français où on utilise ça. Avec ta cravate de merde, par exemple, voilà. Avec ta cravate de merde, ça veut dire avec... Bah, c'est la même chose qu'en espagnol. Hein. Pour cette expression-là, c'est la même chose qu'en espagnol. Mierda, merde. Veux-tu savoir si tu vas retourner avec ton ex? C'est quoi ton ex? Mon ancien amoureux. Et ton ex. Nous disons comme ça. Le dernier. Un ancien couple. Oui, exactement. C'est ex-copain, ex-copine, ex-petit copain, ex-petit ami. Mais petit copain et petit ami, c'est un peu enfant. C'est les enfants qui vont utiliser ça. Si une fois qu'on a plus de 10 ans, on a encore un enfant à 10 ans, bien sûr, mais quand on a 10 ans, on n'aime pas faire enfant. Donc, on va utiliser les mots des grands, donc copain. On utilise copain, copine. Quand c'est pas professionnel. Si c'est avec des inconnus, si c'est des inconnus, on doit être très formel ou formel. On va dire mon ami,
mon conjoint, mon concubin. Voilà, même si on n'est pas marié, moi, la dernière fois, j'ai appelé pour un appartement, j'ai dit mon ami. Et il a compris que c'était mon copain. Parce que c'est un peu plus formel. Mon ami, mon conjoint, voilà. Mais dans la rue, si on voit une personne qui nous parle, si une personne nous parle juste comme ça et qu'on a une conversation, si c'est une conversation pas du tout formelle, donc dans la rue, on va dire mon copain, ma copine, mon copain. Que si on n'est pas marié. Si on n'est pas marié, on utilise copine, copain. Si on est marié, on dit ma femme, mon mari. Et donc, ex-copain ou ex-copine, et on abrève ça en ex. On ne va pas dire mon ex-copain, mon ex-copine, on va dire mon ex. Voilà. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je ne sais pas si vous avez ce genre de pub aussi, je pense. Ça, je n'ai jamais compris. Oui, il y en a un aussi. Ouais. Oui. Oui. Ah, ça c'est intéressant. Les démangeaisons. Qu'est-ce que c'est des démangeaisons? Selon vous. Non? Alors. Pour vous expliquer avec des mots en français, parce que je ne connais pas en espagnol. des démangeaisons, quand on dit « Ah, ça me démange », ça veut dire que tu as envie de te gratter. C'est la sensation d'avoir envie de se gratter. Une sensation d'avoir envie de et se pique, gratter. Le picasson. Picasson. D'accord, picasson. Oui. Mmh. Oui, ouais, d'accord. Donc oui, démangeaison, c'est vraiment qu'on vraiment ça veut dire avoir envie de se gratter. Ça me démange, une démangeaison. Pardon. Hop. Mycose vaginale, ça on connaît. Ça peut être utile hein, quand même. Ça me gratte. Oui, donc gratte, pareil, c'est le verbe gratter. Ça peut arriver à tout le monde. Attends. Fixation béton. Alors, une fixation, c'est quoi? C'est la même en espagnol ou pas? Je ne sais pas. Ouais. Fixation. Oui, pour fixer. Oui. Voilà. Et dans la pub, il disait fixation béton. Parce que ça fixe les cheveux comme du béton. C'était une pub très connue à l'époque. Oui. Fragiliser. Fragiliser quelque chose. Quand quelque chose devient plus fragile, tout simplement. Vous connaissez le mot fragile ? Ouais, oui, parfait. C'est ça. C'est l'action de faire que quelque chose est fragile, devient fragile. Si je donne un gros coup dans mon mur, ça a peut-être fait une marque, j'ai fragilisé mon mur. Si je fais tomber mon ordinateur, je fragilise mon ordinateur. Il a plus de chances de se casser, ça veut dire, de tomber en panne. J'ai internet. On dit que j'ai... Ah, j'avais vu qui est-ce qui m'avait demandé dans le groupe aller et allons-y, je crois que c'est ça. Attendez, je vais regarder la conversation. Qui avait dit ça dans le groupe? Faut que je retrouve. Oui, il y avait une fille qui avait demandé ça. Il avait demandé quelle différence il y a entre aller et on y va. Aller et on y va. C'est vrai. Y en castellano pregunto, ¿por qué apareces ahí en muchos lados? ¿Hace referencia a un lugar?
Alors, la différence entre... Alors, il y a... C'est très... C'est des synonymes, sauf pour certaines fois. Par exemple, si je dis... Si mon ami me dit « Tu veux sortir ?»« Oui, allez. »« Oui, allons-y. » Là, c'est exactement la même chose. C'est juste que « aller », c'est plus court, plus simple à utiliser, plus dans la vie de tous les jours. Là, pour ça, c'est synonyme. Sinon, si je suis maman et j'ai des enfants qui ne veulent pas avancer et que je m'énerve, je vais dire « allez !» Là, ça va pas, ça veut pas dire « allons-y », ça veut plus dire « mettez-vous en action, faites l'action que je vous demande, allez !» Ou si mon téléphone ne marche pas, « allez !» Allez, fais ce que je te demande, fais l'action que je te demande. Donc, soit c'est synonyme « aller » de « allons-y », donc « allons-y », vraiment, ça ne veut rien dire autre chose que « on y va, hein, allons-y », à un endroit, ou pour faire quelque chose aussi, pas forcément un endroit. Et « aller », ça peut être donc quand on s'énerve ou quand on veut qu'une action soit faite et qu'on perd patience, ou juste pour dire « allez, j'y vais ». Ou oui, dans cette situation-là, comme le garçon dit, fait « allez, on va dire que j'y vais ». Ça veut dire « bon ». Là, c'est un synonyme de « bon ». Ou alors « bon, alors on va dire que j'y vais ». Bah, on va dire que j'y vais. « Allez, on va dire que j'y vais ». Dans ce sens-là, ça veut juste… on commence juste une phrase. On commence juste à développer l'idée qu'on veut après. Est-ce que c'est assez clair ou pas? Fernando. Pas assez clair? Est-ce que je répète plus simplement ou est-ce que tu as besoin qu'on le dise en espagnol? Prefiero en español para que me quede claro. Qui peut aider en espagnol? Bueno. Yo creo que cuando hay, en este caso, vamos, es como una invitación y uno le contesta, llevé, que yo voy ahí, a donde vamos. ¿Es así? Oui, en español. Ça... La comparación era entre allé y allez-y, on y va. Entonces. Sería más o menos el mismo significado de allé que on y va, vamos. Pero también allé como un imperativo cuando, por ejemplo, ya dio el ejemplo con los niños. Vayan, hagan esto, hagan tal cosa, allé, allé. De esa manera también se utiliza allé. O como una expresión para decir, bueno... Ale, puede ser algo así, puede ser ale o bon, o como imperativo, vayan, hagan, pónganse en acción. O como una especie de sinónimo de onibá, vamos. Ale. Yo pregunto por la I. Allons-y. La I de allons-y. Por la Y. Oui, la Y. Ce que veut dire le Y dans cette y. situation? Alors, le Y dans cette situation, c'est un marqueur de lieu. C'est le lieu. Allons-y. Mm-hmm. Allons là-bas. Allons au marché. Allons-y. Allons-y. Bien. C'est tout bon? Oui. Parfait. Super. Très bien. On y arrivait en s'entraidant parce que j'aurais pas pu expliquer ça en espagnol. J'ai pas un assez bon niveau. Après, dégoût. Sería como agir o algo así. Oui. 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 Ça peut être comme ça.
Après, c'est vrai que je devrais faire un peu plus attention quand je parle, mais je pense que j'utilise beaucoup « i ». Parce qu'à Lyon, là où j'habite, on utilise beaucoup « i ». Et pas forcément pour un marqueur de lieu. On l'utilise un peu pour tout. Donc, je devrais faire attention pour ça. Je vais faire attention pour pas que ce soit embêtant. Pardon. Parce que c'est vraiment qu'à Lyon. dégoût, le dégoût. Tout le monde voit ce que c'est ? Ok. Parfait. Moi, j'aime ma banque. Ah, ça, c'est une vraie... Alors, moi, je vous apprends des choses de la vie de tous les jours, là. C'est ça que je ne comprends pas. Cette expression ? Je ne comprends pas l'expression. Alors, c'est une... tout simplement, ça veut dire « je m'en fiche », « je m'en fous ». Alors, on a plusieurs degrés. Formel, peu importe. Vie de tous les jours, informel, je m'en fiche. Un petit peu familier. Ouais, c'est familier, mais c'est tellement général, qui est tellement utilisé qu'on ne le voit pas comme ça. Je m'en fous. Ensuite, je m'en bats les couilles. C'est insultant, mais on l'utilise tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vraiment, cette expression veut dire ça. Pourquoi on a besoin de battre ses couilles ? Je ne sais pas. Mais ça veut dire ça. Je ne sais pas si vous connaissez tous les mots battre et couilles. Vous connaissez ? Battre, luchar, pero couilles, c'est quoi couilles ? Oui, cojones. Ah ! Voilà. Voilà, exactement. Je ne sais pas pourquoi on dit ça. Et il y a beaucoup de dérivés à cette expression. On peut trouver un peu moins insultant, je m'en bats les steaks, comme steak haché, etc. On va dire je m'en bats les steaks, c'est un tout petit peu moins insultant. Et plus insultant, un peu moins insultant, on a aussi je m'en bats un rein ou je m'en bats les ovaires. Pour les filles, comme c'était très masculin, les filles ont décidé de dire je m'en bats les ovaires des fois. En argentino sería me importa un ca. Voilà, ça fait près ça. Me importa un carajo con el perdón. non, mais c'est pas grave. C'est dans mon cours, tant qu'on apprend, tout va bien. Même si c'est une insulte, les insultes sont super importantes. C'est vrai, on utilise tellement ça dans la vie de tous les jours, c'est super important. Il faut connaître, il faut savoir quand les utiliser et il ne faut pas les utiliser si on ne maîtrise pas assez bien la langue française. Mais il faut connaître. Surtout en France, si vous arrivez en France, vous vous faites insulter, c'est mieux de comprendre. Et donc, en plus insultant, on a « je m'en bats la race ». Ouais. Là, même moi, je l'utilise pas. J'aime pas. Donc, je sais pas si le mot « race » est utilisé encore en espagnol sans que ce soit raciste. Mais en français, c'est raciste de dire « race ». Sauf dans ce cas-là. Dans ce cas-là, c'est juste la race humaine. Mais attention, pour les humains, on n'utilise pas race, sinon. Surtout pas. C'est très raciste de dire ça en France. Très raciste. C'est vraiment... Je crois que vous utilisez race en espagnol. Je sais pas. Race. Sí, pero últimamente se trata de no usar la palabra race. Porque es raciste. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est à peu près la même chose. Donc, moi, je m'en bats les couilles de ma banque. Donc, tout simplement, moi, je m'en fiche de ma banque. Moi, je m'en fous de ma banque.
parce que réellement, la pub, c'était un humoriste qui passe devant son public et qui dit « Je rêve d'une banque » et tout le public rigole. Et on était... Quoi ? Bon, « Je rêve d'une banque » huée. Des huées. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Quand on hue quelqu'un. Non. Marie Carmen, je te vois faire, mais je t'entends pas. T'appelles Nicole. Oh, désolée. Ouais, c'est ouh. Ouais, exactement. Exactement. C'est tout simplement le verbe pour cette action, c'est huer. Huer, H-U-E-R. Mais là, c'est conjugué, bien sûr. Donc, huer une personne. Abuchear, en espagnol, en argentine. Abuchear. Ok, d'accord. Voilà, huer. Allez, putain. Putain, on l'utilise tout le temps. Faut pas être choqué, vraiment pas. Je sais que... Mon copain m'avait dit de pas trop utiliser ce mot-là parce que, comment dire, quand j'étais en Colombie, parce que chez nous, c'est vraiment, mais vraiment un réflexe. Vraiment. C'est comme si c'était une phrase, une ponctuation, pardon. Comme si c'était une ponctuation. Vraiment, on l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps pour dire tout. Toutes les expressions, toutes les émotions, on l'utilise tout le temps. C'est vraiment pas un mot choquant. Pas le dire dans un entretien d'embauche, pas le dire dans le milieu professionnel, à part si on s'entend bien avec les personnes. Mais sinon, c'est un mot de tous les jours. C'est vraiment un mot de tous les jours. Et voilà. Et du coup, j'essayais de pas avoir le réflexe en Colombie parce qu'on peut comprendre. Putain. Donc, hop, et voilà, c'est tout. Et ensuite, on a la dernière partie. Est-ce qu'il y a des questions sur cette vidéo d'abord ou sur ce thème ? Je t'entends pas mal, Calmanium. Bon, c'est très intéressant de connaître des nouveaux mots, mais ça va. Hein. J'aurais... Les mots de la vie quotidienne, c'est intéressant. C'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. C'est ce que je préfère enseigner. Si vous voulez, des prochains cours, je pourrais toujours faire une vidéo comme ça de YouTube, une courte, pour qu'on voit les mots qui sont utilisés tout le temps. Parce qu'ils parlent vraiment comme on parle tous les jours. Et j'essaie aussi oui. Avec vous de parler comme je parle tous les jours, la plupart du temps. Fait quelques efforts, etc., pour les expressions ou d'autres choses, mais j'essaie de parler le plus naturellement possible. Avec même quelques fautes de français qu'on fait de tous les jours. alors, passons au verlan. Qui connaît le verlan ? Qui sait ce que c'est ? C'est les mots à l'envers. Exactement. Et le mot verlan est à l'envers. Envers, verlan. Oui. Alors, le verlan, je ne vous demande pas forcément de l'apprendre. C'est juste vraiment pour faire le quiz. D'accord ? Il y a certains mots en verlan qui sont importants en France, dont deux qu'on va voir dans la vidéo. Mais je vous conseille aussi Carambolage de Arte. C'est une chaîne française qui est aussi sur YouTube, une française et allemande. Donc, c'est normal qu'ils parlent de l'Allemagne de temps en temps. Et ils sont tellement intéressants, tellement intéressants. Si vous aimez les documentaires, si vous aimez apprendre des choses sur la culture, l'histoire du monde entier, hein, de la nature, tout. Ils sont super intéressants. Arte. Ensuite, donc dans cette vidéo, attention, on va voir des mots en verlan, mais cette vidéo a été faite, je pense, par des personnes qui ont un peu plus de 50 ans. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'était des mots à la mode quand mes parents utilisaient le verlan. Pas maintenant.
Il y a seulement deux où on va voir. En fait, réellement un. C'est juste pour vous expliquer comment ça marche. Ces mots-là, attention, on ne les utilise pas. Ça fait vieux, ça fait démodé. Mais on utilise encore du verlan. Alors, les questions. Qu'est-ce qui est inversé dans le verlan? Les syllabes, les consonnes, les voyelles. D'où vient le mot verlan? L'envers, enverlé, erlanve. Bon, je vous l'ai dit. C'est un langage des riches, jeunes, baby boomers. Tout le monde sait qui c'est les baby boomers? Non, moi non. Patricia, sans être indiscrète, tu as quel âge, si tu veux me le dire? 56. 56, tu es une baby boomeuse. Oui. Tu es une baby boomeuse. Parce que c'est les enfants qui sont nés après la guerre, pendant, c'est une période de 20 ans. C'est une génération, donc 20 ans. Après la première guerre, la deuxième guerre mondiale, pardon. Voilà, c'était pour repeupler le monde en général. Dans le monde entier, il y a eu un boom, donc c'est monté directement pour les enfants. Parce que le but à ce moment-là, c'était de faire des enfants pour repeupler le pays dans lequel on vivait. En France, en tout cas, on a eu ça. Donc, c'est des baby boomers, parce que c'est le boom des bébés. Ceux qui sont nés après la guerre, 20 ans après la guerre. Qui a inventé le code secret? Qui a inventé ce code secret? Les universitaires, les enfants, les loubards des années 60. Loubard, ça veut dire petit voyou, c'est des voyous. C'est un mot très démodé aussi, mais quand on parle de loubard, on sait qu'on parle de cette époque, comme c'est un mot démodé. Vous voyez? Quel chanteur français l'a popularisé? Georges Brassens, on prononce le S, attention, Georges Brassens, Renaud, Charles Trenet. Qui connaît un des chanteurs? Non. Non? Un peu de Charles Trenet, je crois, ouais. En chanson, je crois. J'adore Charles Trenet, vraiment j'adore. Qui vit dans les banlieues parisiennes? Des familles avec de jeunes enfants, des jeunes professionnels de classe moyenne, des immigrés et des ouvriers. Ça, c'est assez simple, même si on ne voit pas. Quel était l'objectif de la création des mots en verlan? Se démarquer du reste de la société, provoquer les gens et embrouiller la police. On a vu ce que ça voulait dire, embrouiller. Les deux. Que désigne le mot pourri ou ripoux? Un policier corrompu, une situation impossible, quelque chose qui sent mauvais. Quel style de musique a permis sa diffusion? Le rock, le métal, le hip-hop et le rap. Aujourd'hui, qui utilise le verlan? Les jeunes, les personnes des années 60, presque tout le monde. Est-ce qu'il y a des mots qu'on ne comprend pas? Non, ça va? Ah oui. Ok, parfait. Alors, on commence. Je vais laisser la vidéo à côté parce qu'elle est moins compliquée que l'autre. Hop. Nicolas Obermann nous initie ce soir au mystère d'une forme d'argot que tous les Français connaissent, le verlan. Vous parlez français? Oui, très bien. Mais parlez-vous aussi ces francs? Ah, nos amis allemands restent sans voix. Et pourtant, c'est bien la même chose. Simplement, les syllabes sont inversées. Écoutez.
français, c'est franc. L'inversion des syllabes est un phénomène linguistique que l'on appelle verlan. Soit dit en passant, ce vocable a été lui aussi décomposé puis recomposé selon le même principe. On intervertit les syllabes de l'envers et ça devient verlan puis verlan. C'est simple. Le verlan est un langage de jeunes. Tout le monde le connaît en France à défaut de le comprendre. Et c'est voulu, car à l'origine, il s'agissait d'un code secret, une forme d'argot inventée de toutes pièces par les loubards des quartiers ouvriers parisiens des années 60. Ce parler deviendra vraiment populaire à partir de 1978. Renaud, l'homme au blouson noir et aux bottes de cow-boy, chante « laisse béton ». En bon français, il faudrait dire « laisse tomber », mais Renaud a transformé « tomber en béton », »,« laisse tomber », »,« laisse béton », »,« cool ». La jeunesse des banlieues parisiennes, où vivent surtout des ouvriers et des immigrés, s'approprie le verlan à partir des années 80 et se met à créer une foule de nouveaux mots, à tel point que les adultes n'arrivent plus à suivre. L'objectif, se démarquer du reste de la société, provoquer, embrouiller la police, s'affirmer en tant que groupe et évidemment être cool. Car le verlan, c'est branché. Sauf qu'évidemment, personne ne dit branché, mais j'ai branché. Le verlan est une langue orale, où tout repose sur l'oreille et non sur le visuel. C'est ainsi que même des mots composés d'une seule syllabe peuvent être verlanisés. À propos, les Allemands, vous me suivez toujours? Eh bien, faisons un petit test. Vous, les Français, vous avez le droit de participer. Comment dit-on « soirée » en verlan? « Ressoir », c'est ça. Parfait. « Merci », ça devient « Simer ». Facile. Quant au mot « chien », oui, ça se complique un petit peu. Il se transforme en « lien ». Bravo. Chien, lien. De la même façon, « pourri » devient « ripou », un adjectif qui désigne les policiers corrompus. Et « les ripoux », c'est bien sûr le titre d'une célèbre comédie de 1984 dans laquelle un policier se fait expliquer le verlan par un collègue. « Ripou, pourri, pourri, ripou. » Ah, oui. Tu comprends Bill Day, par exemple ?« Bill Day. » Débile. Voilà, tu y es, mon petit bonhomme. Mais attention, ça ne marche pas forcément à tous les coups. Il y a des mots qui sonnent bien, d'autres non. Question de feeling. La palme du néologisme raté revient à la SNCF qui, dans sa tentative de copiner avec la jeunesse, a fait dire à l'un de ses guichetiers dans un spot télévisé « C'est bleu si beau ». Comprendre, c'est possible. Le problème, c'est que personne ne dirait ça. Vraiment pas cool. Le hip-hop et le rap, qui eux manient le verlan aux côtés d'autres figures de style avec une réelle virtuosité, ont contribué à le diffuser encore plus largement. Ils l'ont fait passer de la rue à la radio, puis de la radio à la langue courante, pour finir les dictionnaires. Au secours, la langue française est en péril, s'indignent les uns. Mais non, c'est au contraire un merveilleux enrichissement, tempère les autres. Quoi qu'il en soit, tous les Français utilisent de temps à autre un mot en verlan. C'est tellement entré dans leurs habitudes qu'ils en oublient parfois que le mot « teuf » est une inversion du mot « fête », que le mot « ouf » vient de « fou » et que le mot « rebeu » arabe a subi une double inversion. Petit écart. À l'origine, « arabe » a été transformé en « beurre » moyennant une inversion et quelques autres tours de passe-passe. « Arabe »,« beurra a »,« beurre ». C'est ainsi que s'autodésignaient les enfants nés en France d'immigrés maghrébins. Mais quelques années plus tard, le mot « beurre », qui avait entre-temps été récupéré par les médias et s'était de ce fait départi de son côté rebelle, a été rebidouillé. Beurre, beurre, rebeu, rebeu. Voilà. Alors, est-ce que c'est assez clair? Oui. On écoute une seconde fois? Ou tout le monde a les réponses déjà? S'il vous plaît, la deuxième fois. Ok, seconde fois. Hop, je remets. Faites bien attention, hein, quand, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand une question passe, j'entoure avec ma souris.
pour vous aider. Hop, let's go. Que tous les Français connaissent le verlan. Parlez français? Oui, très bien. Mais parlez-vous aussi ces francs? Ah, nos amis allemands restent sans voix. Et pourtant, c'est bien la même chose. Simplement, les syllabes sont inversées. Écoutez, français, c'est franc. L'inversion des syllabes est un phénomène linguistique que l'on appelle verlan. Soit dit en passant, ce vocable a été lui aussi décomposé puis recomposé selon le même principe. On intervertit les syllabes de l'envers et ça devient verlan puis verlan. C'est simple. Le verlan est un langage de jeunes. Tout le monde le connaît en France à défaut de le comprendre. Et c'est voulu car à l'origine il s'agissait d'un code secret, une forme d'argot inventée de toutes pièces par les loubards des quartiers ouvriers parisiens des années 60. Ce parler deviendra vraiment populaire à partir de 1978. Renaud, l'homme au blouson noir et aux bottes de cow-boy, chante « Laisse béton ». En bon français, il faudrait dire « Laisse tomber », mais Renaud a transformé en béton. Laisse tomber, laisse béton, cool. La jeunesse des banlieues parisiennes, où vivent surtout des ouvriers et des immigrés, s'approprie le verlan à partir des années 80 et se met à créer une foule de nouveaux mots à tel point que les adultes n'arrivent plus à suivre. L'objectif, se démarquer du reste de la société, provoquer, embrouiller la police, s'affirmer en tant que groupe et évidemment être cool. Car le verlan, c'est branché. Sauf qu'évidemment, personne ne dit branché, mais j'ai branché. Le verlan est une langue orale, où tout repose sur l'oreille et non sur le visuel. C'est ainsi que même des mots composés d'une seule syllabe peuvent être verlanisés. À propos, les Allemands, vous me suivez toujours? Eh bien, faisons un petit test. Vous, les Français, vous avez le droit de participer. Comment dit-on soirée en verlan? Vrai soir, c'est ça. Parfait. Merci, ça devient... Cimer. Facile. Quant au mot chien, oui, ça se complique un petit peu. Il se transforme en... lien. Bravo. Chien. Lien. De la même façon, pourri devient... ripoux, un adjectif qui désigne les policiers corrompus. Et les ripoux, c'est bien sûr le titre d'une célèbre comédie de 1984 dans laquelle un policier se fait expliquer le verlan par un collègue. Ripoux, pourri, pourri, ripoux. Ah, tu comprends, Bill Day, par exemple? Bill Day? C'est Bill. Voilà, tu y es, mon petit bonhomme. Mais attention, ça ne marche pas forcément à tous les coups. Il y a des mots qui sonnent bien, d'autres non. Question de feeling. La palme du néologisme raté revient à la SNCF qui, dans sa tentative de copiner avec la jeunesse, a fait dire à l'un de ses guichetiers dans un spot télévisé « C'est bleu, s'il faut. » Comprendre, c'est possible. Le problème, c'est que personne ne dirait ça. Vraiment pas cool. Le hip-hop et le rap, qui eux manient le verlan aux côtés d'autres figures de style avec une réelle virtuosité, ont contribué à le diffuser encore plus largement. Ils l'ont fait passer de la rue à la radio, puis de la radio à la langue courante pour finir dans les dictionnaires. Au secours, la langue française est en péril, s'indignent les uns. Mais non, c'est au contraire un merveilleux enrichissement, tempère les autres. Quoi qu'il en soit, tous les Français utilisent de temps à autre un mot en verlan. C'est tellement entré dans leurs habitudes qu'ils en oublient parfois que le mot « teuf » est une inversion du mot « fête », que le mot « ouf » vient de « fou » et que le mot « rebeu » arabe a subi une double inversion. Petit écrivain. À l'origine, « arabe » a été transformé en « beurre » moyennant une inversion et quelques autres tours de passe-passe. « Arabe »,« beurra à beurre ». C'est ainsi que s'autodésignaient les enfants nés en France d'immigrés maghrébins. Mais quelques années plus tard, le mot « beurre », qui avait entre-temps été récupéré par les médias et s'était de ce fait départi de son côté rebelle, a été rebidouillé. « Beurre »,« beurre », »,« rebeu », »,« rebeu ». Voilà. Alors, un peu mieux ? Ouais. Oui. Oui. Et après, on parlera de ça. Qu'est-ce qui est inversé dans le verlan? Les syllabes. Les syllabes.
Les syllabes, oui. D'où vient le mot verlan? L'envers. L'envers. Oui, l'envers. C'est un langage des riches, jeunes baby boomers. Jeunes, oui. À la base, oui. Qui a inventé ce code secret? Les universitaires, les enfants, loubards des années 60. Les loubards des années 60. Les loubards des années 60. Oui, exact. Quel chanteur français l'a popularisé? Renaud. Qui vit dans les banlieues parisiennes? Des immigrés et des ouvriers. Tout le monde est d'accord? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, oui. Les immigrés et les ouvriers. Quel était l'objectif de la création de mots en verlan? Se démarquer du reste de la société. Tout le monde est d'accord? Les deux. Exactement, oui. Les deux. Et on retrouve le mot embrouillé, qu'on a dit tout à l'heure. Que désigne le mot pourri ou ripou? Les polices corrompues. Un policier corrompu. Un policier corrompu. Exact. Un policier corrompu qui ne s'utilise plus du tout. Mais si jamais on écoute des films, on regarde des films assez vieux, on peut avoir ce mot-là. Donc, il faut connaître. Quel style de musique a permis sa diffusion? Le rock, le metal, le hip-hop et le rap? Le hip-hop et le rap. Très bien. Aujourd'hui, qui utilise le verlan? Presque tout le monde. Tout le monde. Oui. Tout le monde. Pourquoi tout le monde, à votre avis? Et pourquoi pas que les jeunes? Il y a une réponse là. Regardez. Parce qu'en France, il y a beaucoup de personnes âgées. Et oui, du coup, le verlan a été créé vers les années 60. Donc, si ça a été créé par des jeunes, c'est des jeunes qui, dans les années 60, avaient minimum 15 ans. Donc, presque toute la population française a toujours vécu avec le verlan. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a des mots démodés, que la nouvelle génération, hein, bien sûr, trouve démodés et des mots qui ne le sont pas. Il y a beaucoup, mes parents, ils ont beaucoup utilisé le verlan quand ils étaient jeunes, moins maintenant, mais ils n'arrivent pas forcément à savoir quel mot est encore à la mode et quel mot ne l'est pas. C'est de partout, je pense, comme ça. Un jour, ça m'arrivera aussi. Et voilà, c'est pour ça. C'est pour ça aussi que dans cette vidéo, beaucoup de mots ne s'utilisent pas comme ça. Les mots qu'on retrouve maintenant, chien, yinche, ça s'utilise encore par des jeunes. Attention, personnellement, j'utilise vraiment pas le verlan. Pas trop. Donc ça dépend des gens, en fait. Ça dépend. Mais j'entends beaucoup yinche encore dans ma génération. J'entends encore, il y avait yinche et il y avait cimère pour dire merci. C'est plus une blague maintenant.
c'est pas un mot très très sérieux. On va dire une blague, on va dire, pour dire merci à quelqu'un, on va dire Simer Albert. Albert qui a un nom très vieux. Simer Albert ou Simer. C'est juste pour rire en même temps de dire merci. Il y a ouf. Ouf, c'est utilisé par les 30-40 ans environ. 30-40 ans, ouf, c'est beaucoup utilisé. C'est plus utilisé dans ma génération. C'était utilisé dans la génération de mes parents aussi. Il y avait quoi ? Teuf. Alors, une teuf, c'est utilisé aussi par les 30-40 ans. Mais ma génération, c'est pas la même chose. On a maintenant... Teuf, ce n'est plus le même mot. Donc, on a fête. On va dire je vais en soirée ou je vais dans une fête. Mais teuf, c'est un style de soirée. Une teuf, c'est une soirée où il y a de la musique électronique ou trance. Un peu plus de drogue, etc. C'est une teuf. Que pour désigner ce style de soirée maintenant, pas les fêtes en général. C'est devenu deux mots différents. Dans ma génération. On a même le mot teufeur. Ce sont les gens qui vont dans les teufs, des teufeurs. On sait que c'est des gens qui écoutent ce style de musique. Le mot rebeu, il est utilisé. Il est très utilisé. Parce que c'est assez mal vu maintenant. Je trouve ça un peu bête, mais c'est que mon avis, c'est pas grave. C'est mal vu et c'est les maghrébins disent que c'est raciste de les appeler arabes. Donc faut faire attention, il faut pas vraiment utiliser le mot arabe. Le mot beurre non plus, parce que comme on l'a vu dans la vidéo, ça a été utilisé par les médias, etc. Donc c'est rentré dans un mot normal. Donc ils ont dit que c'était aussi raciste. Alors qu'il s'appelait aussi comme ça. Mais c'est comme ça. Donc ils ont encore fait un verlan et c'est devenu rebeu. Et rebeu, c'est très utilisé. Rebeu, c'est comme dire black à la place de dire noir. On va dire que c'est raciste de dire noir, donc on dit black. Et on dit rebeu pour dire arabe. C'est pour que le mot soit moins fort, en fait. Et moins une connotation raciste. Et voilà, c'est tout ce qu'on a vu dans la vidéo, je crois, comme mots qui sont encore... Alors la SNCF, qui connaît ? Je vais remettre le passage. Qui sait ce que c'est la SNCF ? Los ferrocarriles. Comment ? La société, los ferrocarriles. Oui. Société nationale de chemin de fer. Ah, tu connais même. Super, je demandais pas autant. Très bien. Oui, Société nationale des chemins de fer. C'est simplement les trains en France. Ils sont gérés, ils sont faits par la SNCF. Et je ne sais pas si vous avez compris cette partie. Qu'est-ce qu'ils disent dans cette partie ? Parce qu'il y avait beaucoup de mots qui n'étaient pas forcément pertinents, qui n'avaient pas forcément de sens. Alors, la SNCF, ils ont fait une pub il y a longtemps, c'est une vieille pub, dans les années 60-70, où ils disaient quoi exactement ? Je vais repasser. Oui, voilà. C'est bleu cipot. Ils voulaient faire jeune. Ils voulaient attirer les jeunes avec leur pub. Compagnie de trains francesa. Ouais, merci Isabelle. Et ils voulaient attirer les jeunes dans leur pub. Et donc, ils ont fait du verlan, comme c'était nouveau. Sauf que y a des mots qui ne peuvent pas être en verlan. Ça, c'est des mots qui vont devenir une expression, le verlan. Zarbi, c'était une expression
dans les années 80, très utilisé, mais énormément. Mais maintenant, plus du tout. Maintenant, on sait que c'est un mot plus vieux. On sait quel âge ont les personnes qui utilisent ce mot. Et donc, blé si peau, j'ai même du mal à le dire, bleu si peau, c'est comme utiliser un mot pour faire jeune, mais en fait, ça fait très vieux dans la façon de le dire. Et donc, leur pub a été détestée. Leur pub a fait de la mauvaise pub, en fait, parce qu'ils voulaient attirer les jeunes, mais ils ont fait l'inverse, en essayant de prendre les mêmes codes que les jeunes de l'époque. Voilà, à peu près tout. Oui, un rabre bleu, on a vu ça. Ouais. Voilà, est-ce que c'est assez clair? Oui. Oui. Ok, et voilà, du coup, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait déjà 2 heures. Hop. Est-ce que vous avez des questions pour la fin ou des sortes de vidéos que vous aimeriez voir pour pouvoir apprendre comment dire, un thème en particulier, un vocabulaire particulier ou non? Les traditions de chaque pays, il y a peut-être. Les traditions de chaque pays? Oui, chaque ville. Chaque ville. Ah, chaque ville. Oui, oui, ça peut être intéressant, ouais. Très bien. Les traditions de chaque ville. Et dans le tas, je mettrai peut-être une vidéo de YouTube. Il faut que je trouve une vidéo YouTube d'un YouTuber connu en France, qu'on aime bien, pour pouvoir que vous voyez quel vocabulaire on utilise. Parce que oui. Les cours, c'est bien, mais il faut savoir parler comme tous les jours. Bon, intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, professeur. Merci beaucoup, professeur. Je revois la moitié d'entre vous en B1 jeudi. Oui, à samedi. Oui. À samedi. Oui, jeudi. Qu'est-ce que je dis? On est jeudi. Oula. Désolée. Ok, du coup, samedi. Bon. Samedi. Bonne soirée, tout le monde. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci à vous.